C'est Steven pour Made in Poker, on est toujours au main event au Détroit, je suis avec Guillaume Darcourt, il reste une heure de jeu. Et Guillaume, plutôt que de spio, est parti fumer une petite clope pour respirer. Guillaume, ça va? Pour respirer. Pour respirer la clope? Ouais, ça va. Calme, on a calmé. J'ai calmé, voilà. Je suis toujours à 950, comme depuis la reprise du dinner break. Ouais. Et voilà, je fais la même stratégie qu'hier, donc dernier niveau, je ferme, je joue juste les bonnes mains pour pas prendre de risques. Voilà. Alors toi t'es calme et ton voisin en face il est calme ou tu l'as un peu excité? Le voisin il est plein tilt, il a pris deux fois la mauvaise décision avec ses dames. C'est-à-dire? La première fois t'avais quoi? J'avais paire de 7. Et tu as réussi à le faire folder? Je l'ai fait folder, je l'ai fait folder à la turn sur un board roi valet 3-3. Oui, t'as tous les jours roi 3 dans cette main? Tous les jours. Et la deuxième fois, je me fais payer sur un board roi 10, je sais plus quoi, 5-7, ouais. Où j'ai deux paires 5-7, évidemment. Et là, il est vraiment énervé. D'accord, il reste moins de 1000 joueurs. Il est surtout énervé parce que j'ai lu sur Made in Poker qu'on l'a briefé quand je suis arrivé à la table et on lui a dit que j'étais très, très, très mauvais comme joueur. Ouais. Donc, il s'est mis en tête, vraisemblablement, de m'attraper depuis le début. Et il n'a pas réussi à me prendre une seule fois un coup et il a à chaque fois très très mal joué. Donc ces dames, les deux fois, il les a pas relancées. voilà. Punition. Punition. Et donc là, il doit être vraiment fou de ne pas attraper un joueur aussi nul que moi. Voilà, ouais. Je pense que c'est ça. Et donc, on va clore le débat sur ce joueur. Il reste moins de 1000 joueurs, je crois, ça y est. 963, j'ai vu en sortant là. Ok, donc bon, l'argent ne sera pas atteint ce soir, mais dès demain, c'est quoi? Tu mets coup de pression avant l'ITM? Je garde la même stratégie, je suis tranquille. On n'est pas pressé? Non, on n'est pas pressé, je prends les spots qu'il faut, je profite de mon stack pour faire un petit peu peur, je réserve toujours une ou deux dark cours dans la journée pour vous ayez quelque chose à vous mettre sous la dent. Merci beaucoup pour nous. Et moi pour me faire insulter et voilà, on continue le petit bonhomme de chemin. Ok, super, bon merci, c'était Guillaume Darcourt, il reste une heure de jeu aujourd'hui et on se retrouvera sûrement demain pour que tu nous expliques comment tu as fait sauter le Bubble Boy ou j'en sais rien, des trucs un peu fous encore. Ce serait sympa ça aussi. Ce serait pas mal, ce serait une belle histoire. Ouais, ce serait bien. C'est cool. Merci Guillaume. Ah bah merci à toi.